Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Ça faisait un petit temps que je n'avais pas fait ce type de vidéo et je me suis dit que ce serait intéressant de te refaire une vidéo vlog parce qu'il y a eu quelques petites actualités dernièrement au niveau catch, dont le magnifique œil au beurre noir que j'ai eu là. Bon, après, on voit quasiment plus rien parce que ça fait déjà quasiment une semaine que je l'ai eu. Mais c'est ce qui m'est arrivé lors de mon dernier show. Et d'ailleurs, je vais te passer quelques extraits là maintenant de ce combat. Et après que je t'aurai diffusé ces quelques petits extraits, je vais revenir sur ce show-là en particulier. Parce que c'était pas un show comme les autres, c'était un show un petit peu particulier. Mais c'était une très belle expérience. Donc je vais te balancer les extraits et on se retrouve juste après. Alors, comme tu as pu le voir, c'était un show où il y avait pas mal de monde. Et d'ailleurs, mon l'œil au beurre noir que j'ai eu, je sais même pas comment je l'ai eu. Pendant le combat, j'ai rien senti. C'est seulement après que j'ai senti que j'avais un petit gonflement au niveau de mon œil. Mais sinon, mis à part ça, c'était vraiment un bon show, très bon show de manière générale parce que
il y avait, je ne pourrais pas te dire le nombre exact de personnes qu'il y avait, mais autour du ring, je pense qu'il y en avait pas loin des 1000. Parce qu'il faut savoir que ce n'était pas un show comme les autres. C'était un show, donc c'était pour la promotion FML, si jamais ça t'intéresse, la Fédération de Montérégie de lutte. Et chaque année, dans la ville, là où on a organisé le show, il y a toujours un gros événement. Il y a des spectacles, tu vois, il y a pas que des shows de catch, il y a d'autres spectacles en même temps. Et du coup, ben, on a pu organiser un show, enfin, le promoteur a pu organiser un show dans cet événement-là, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. Les gens étaient vraiment investis dans le show, ils réagissaient vraiment à tout ce qu'on faisait. Et ça, c'est vraiment top pour nous les catcheurs d'avoir autant de réactions de la part du public. Et d'ailleurs, pour en rester dans mon actualité catch, ici en ce moment, jusqu'à la fin de l'année, je suis quasi booké tous les week-ends. J'ai minimum un show par semaine jusque mi-décembre. De temps en temps, j'ai même deux shows et même trois shows. Je sais qu'au mois de décembre, je vais avoir un week-end qui va être difficile. Je crois que c'est le 16, 17, 18 décembre. J'ai trois shows d'affilée, donc je pense que physiquement, ça va être pas mal compliqué, mais je vais pas m'en plaindre parce que c'est ça que je recherche, c'est de catcher avec le plus de personnes possible, catcher avec des noms dans le circuit indépendant et de me faire un nom tout simplement. Et d'ailleurs, si tu aimes voir quelques extraits de mes combats que j'inclus comme ça dans mes vidéos, ben, n'hésite pas à me les laisser savoir et je pourrai leur faire à l'avenir. Et là, ce qui va se passer, ben, je vais aller à mon entraînement de catch parce que tous les samedis, ici au moment où je te tourne la vidéo, on est samedi. Et tous les samedis, il y a un entraînement ouvert avec le ring. Je peux aller m'entraîner avec les autres et travailler sur ce que j'ai envie de travailler. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des rares fois où j'ai pas de show de catch. Et donc, du coup, ben, je vais en profiter parce que les semaines qui vont suivre, je vais avoir des shows de catch à tous les week-ends. Donc là, je vais aller m'entraîner. Je vais voir ce que je vais faire une fois sur place. Et juste avant de partir à l'entraînement, je voulais aussi ajouter une chose. N'hésite pas aussi à m'ajouter sur Instagram, Bjorg010. Je vais te l'afficher ici juste en bas de l'écran. Mais tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description. Il y a mon lien Instagram. Parce que si jamais tu veux suivre mon actualité catch de plus près, je publie assez régulièrement sur Instagram. Donc si jamais ça t'intéresse, ben, n'hésite pas tout simplement à t'abonner à mon compte Instagram. Entraînement terminé, franchement c'était un bon petit entraînement, j'ai pu travailler sur les choses dont j'avais envie de travailler, j'ai fait quelques prises dans le gros matelas comme tu as pu le voir sur les séquences et après dans le ring j'ai travaillé sur un comeback que je pourrais éventuellement faire dans un match. J'aime beaucoup cette séquence parce que je trouve que ça regroupe bien la vitesse et l'agilité et dans un comeback c'est bien d'avoir ce genre de choses et donc du coup ici je vais rentrer chez moi et je vais aller manger parce que je crève la dalle, j'ai super faim surtout après un entraînement comme ça. Et j'ai seulement un repas dans le ventre depuis le début de la journée. Donc j'ai juste mangé ce matin. J'ai mangé quoi ce matin? J'ai mangé un pancake avec du miel et avec des œufs en tant que source de protéines. Et ici, ben, je vais manger certainement du riz avec deux steaks et un petit peu de légumes. Parfois, quand j'ai ce genre de journée-là où j'ai des entraînements de catch au milieu de la journée, ça décale un petit peu mes repas. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas vraiment d'heure fixe pour manger. Je mange en fonction de mon emploi du temps. Donc là, il est 5h. Je vais manger mon repas du midi à 5h. Donc voilà, c'est pour te dire comment je suis un petit peu décalé aujourd'hui. Et mon repas du soir, mon souper, je vais certainement le manger vers 9h. On se casse pas la tête, on garde les choses simples. Donc au menu, ça va être je vais prendre juste deux steaks. Parce que sur 4, si je prends les 4, ça fait 400 grammes, c'est beaucoup trop. Donc là, j'ai deux repas. Je vais prendre deux steaks de porc avec un mélange de légumes. Donc dans ce mélange de légumes, tu as du chou-fleur, je pense des courgettes, des carottes et des brocolis.
Et je vais prendre du riz saveur noix de coco pour accompagner, comme source de glucides. Je viens de terminer mon repas et franchement, ça fait vraiment du bien de manger. J'avais juste mangé une barre de protéines après l'entraînement, dès la fin de l'entraînement. Genre 30 minutes après, j'avais encore faim. Mais bon, là maintenant, ma faim est calmée. Et avant qu'on se quitte, je voulais avoir ton avis. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça, mais je voulais avoir ton avis sur la mélatonine. Donc c'est quelque chose qu'on prend pour améliorer la qualité du sommeil. C'est quelque chose que j'ai acheté en pharmacie. Et je vais avoir un peu ton avis si t'avais déjà eu des retours là-dessus, si t'avais déjà essayé, parce que moi je suis un peu 50-50. Parce que ça va faire à peu près une semaine que j'en utilise, et des fois j'ai l'impression que ça marche, des fois j'ai l'impression que ça marche pas. Comme par exemple, des fois j'ai vraiment l'impression que ça m'aide à m'endormir et que ça améliore la qualité du sommeil, et parfois à certaines nuits j'ai l'impression que ça fait l'inverse, que j'ai un peu plus mon sommeil perturbé. Peut-être qu'après, il faut que je l'utilise pour une durée un peu plus longue. C'est vrai que c'est assez récent, je l'utilise depuis seulement une semaine. Donc peut-être que les effets se passent plus sur le long terme. Mais dans tous les cas, laisse-moi savoir si toi tu utilises la mélatonine et si tu juges que c'est utile ou bien si ça te fait aucun effet, je serais curieux de savoir. Et il y a une autre chose aussi dont je voulais te parler, et ça n'a rien à voir avec la mélatonine, mais c'est pour revenir sur le sujet du catch. Plus précisément parce que je vois souvent certaines personnes ou des gens ou des catcheurs dans le circuit qui parlent et qui disent qu'ils sont catcheurs professionnels. Alors je pense qu'il faut savoir bien rétablir quelque chose à propos du terme catcheur professionnel. Parce qu'il y a énormément de mecs qui s'autoproclament catcheurs professionnels, mais ce ne sont pas des vrais professionnels. Ils ont le niveau d'être professionnels, mais ils ne sont pas professionnels. Parce que pour moi, un catcheur professionnel, c'est vraiment un catcheur qui, c'est son métier. Voilà, il vit de ça, il vit de ça à temps plein. Il va sur les routes toutes les semaines et il paye ses factures avec le catch. Alors que la plupart du temps, c'est pas le cas. Quand tu es catcheur professionnel, tu as réussi à décrocher un contrat et t'arrives à avoir un salaire tous les mois. Ou alors si tu es quelqu'un du circuit indépendant qui tourne beaucoup et qui réussit à amasser assez d'argent pour vivre, là oui, on a un catcheur professionnel. Parce que la plupart du temps, donc la plupart des mecs dans le circuit, on est tous semi-professionnels. Ça veut dire qu'on a le niveau d'un professionnel. Mais on n'est pas professionnel parce qu'on ne vit pas de ça. La plupart du monde, on a un travail sur le côté parce qu'on ne peut pas vivre du catch, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est important de le préciser parce que le terme professionnel, je trouve qu'il est mal utilisé dans le catch. Ce qui va m'amener à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace commentaire. Et si tu veux me soutenir, tu peux liker, partager et t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!